Il y a 2 ans, je faisais le choix de tout quitter. Un boulot stable, bien payé, dans une entreprise de radio renommée. Un monde de rêves, d'ondes et de mystères que beaucoup m'auraient envié. Quand j'en parle encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ne me comprennent pas. Ce choix était-il bien raisonnable? Était-il si bien avisé? Alors bien sûr, j'ai connu les doutes. Bien sûr, j'ai rencontré l'adversité. Et oui, certains jours, j'étais profondément démoralisé. Mais pourtant, les joies, les rencontres que j'ai vécues, les histoires, ces émotions, nos échanges, tous ces moments d'humanité n'ont eu de cesse de me rappeler que j'étais sur le bon chemin. Cette petite voix qui, au début, m'avait soufflé d'y aller, aujourd'hui elle est toujours là pour me guider. Ce choix était-il le bon? Qui saura le dire? Ce choix, c'était le mien. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan. Et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut, aujourd'hui je voudrais te donner de la clarté sur les différentes pratiques qui existent pour les orphelins et les orphelines. Quand je parle de pratiques, je parle autant d'approches thérapeutiques, d'accompagnement, de tout ce qui peut exister en termes de psychologie, en termes de thérapie douce ou alternative, et autant les approches spirituelles que les approches ésotériques. Ce sujet, en fait, que je vais te partager aujourd'hui dans le podcast, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. En fait, ce qui s'est passé il y a à peu près un mois, il y a un ami qui est venu me voir à Paris, qui est venu dormir chez moi, qui est passé quelques jours à Paris. En discutant avec lui, en discutant de tout ce que je faisais pour le projet des orphelins résilients, on a discuté aussi de psychologie, on a discuté de démarches scientifiques. En discutant avec cet ami, je me suis rendu compte et j'ai compris que, en fait, j'avais l'impression de connaître beaucoup de choses dans le champ du développement personnel, de la psychologie et de tout ce qui existe en termes de pratiques thérapeutiques. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si clair que ça, que je pensais comprendre vraiment ce qui se faisait. Et en fait, j'en avais une idée assez vague. Je me suis rendu compte que y avait beaucoup de... Le mot « psy », en fait, était utilisé pour couvrir différentes pratiques différentes et que c'était pas toujours très clair de comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette étiquette du mot « psy ». Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que au-delà des étiquettes qu'on peut mettre sur telle ou telle pratique thérapeutique, et ben en fait, ça couvre souvent des expériences différentes. Tu sais que ça fait un moment que j'échange avec des orphelins et des orphelines, et à chaque fois, on discute des différentes solutions que tu as pu essayer pour traverser ton deuil. Et à chaque fois que j'ai eu des échanges avec d'autres orphelins et d'autres orphelines, je me suis rendu compte qu'il y avait des pratiques qui m'étaient... On me parlait de certaines pratiques, comme les constellations familiales, comme l'EFT, comme le Reiki. J'avais une vague idée de ce à quoi ça correspondait, mais je ne savais pas exactement ce qu'il y avait derrière ces pratiques-là. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois beaucoup de pratiques différentes, mais qu'il y avait, avec ces pratiques, chacun avait... une expérience différente pour la même pratique. Deux personnes pouvaient avoir deux expériences complètement différentes en fonction du thérapeute ou même en fonction simplement de la personne. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, c'était pas très clair et qu'il y avait vraiment besoin de clarté là-dessus. Et donc, depuis plusieurs semaines, j'ai décidé de faire des recherches beaucoup plus approfondies pour explorer tous ces sujets qui ont attrait justement aux thérapies dans les champs de la psychologie, dans les champs des thérapies douces et alternatives et des approches spirituelles. Et à travers ces recherches, le but, c'était de comprendre sur quoi était fondée chaque pratique, quel était l'objectif qui était poursuivi par chaque pratique et à qui concrètement ça s'adressait. Toutes ces questions pour lesquelles j'ai fait des recherches, je les ai réunies dans un guide que je suis fier de t'offrir aujourd'hui. Ce guide, je vais te le mettre le lien aussi en description du podcast. L'adresse, c'est
pour récupérer ce guide, c'est johan.orphelin.fr/guide, johan.orphelin.fr/guide. Donc tu arrives juste sur la page, tu mets ton adresse mail et tu recevras directement le guide sur ton adresse mail. C'est un guide d'une vingtaine de pages à peu près. Je vais te remettre le lien en description du podcast, ça sera plus simple, tu auras juste à cliquer. Et dans ce guide, je t'apporte aussi des perspectives par rapport à des questions que tu te poses sûrement, comme est-ce que ça fait sens ou pas de se faire accompagner ou non par rapport à ton deuil, ou quand on traverse un deuil, est-ce que ça fait sens ou non de se faire accompagner ou de se faire aider ? Comment faire pour choisir concrètement un thérapeute ou une personne qui t'aide ou qui t'accompagne ? Et aussi trois autres questions qui te challengent sûrement aujourd'hui vis-à-vis de ton deuil. J'ai hâte que tu découvres ce guide et j'espère sincèrement qu'il t'apportera de la clarté et qui aussi pourra te faire découvrir peut-être des nouvelles pratiques. Et comme ce guide, il est fait pour toi, si tu veux y apporter ta contribution, si tu veux me partager ton témoignage et que je puisse aussi mettre à jour le guide, ou si tu veux juste parler avec moi d'un point spécifique du guide avec lequel tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, ça me fera plaisir d'en parler avec toi. Écris-moi simplement un email pour me donner ton avis. Je t'ai mis directement mon adresse mail dans le guide. Je te retrouve très vite par email. Je te dis à bientôt. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, dans le podcast, on parlera de motivation.